France Inter. France Inter, 7h. France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9-30. Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 2 février. Anaïs Feugat, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Enfin, vous les aimez comment? Sucré, salé, avec de l'andouille, de l'œuf, du chocolat? Je veux parler des crêpes, évidemment. Jeudi, c'est la Chandeleur, l'occasion de pousser les portes d'une école de crêpiers de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, qui délivre des formations intensives de 3 jours, une à deux fois par mois, sous la houlette d'un maître crêpier qu'a rencontré Hélène Roussel. Ah, si seulement c'était si simple. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Sauf que lorsque moi, j'ai ouvert ma propre crêperie, j'ai failli déposer le bilan parce que je voulais tout offrir aux gens pour qu'ils aient une carte de fou. Et en fait, le fou, c'était moi. La crêpe peut être traître. Patrick Rongier rappelle les règles. Cuisiner vite et bien, être créatif sans jamais s'épuiser. Là, on est dans l'école. Bah voilà, c'est 40 mètres carrés. Il y a une dizaine de biliques. De quoi? Des biliques. C'est les crêpières en breton. C'est le truc qui chauffe, là, qui fait 40 cm de diamètre. Il faut épouser son rosel. Ce petit bâton de bois, il faut juste l'effleurer. Juste le poids de celui-ci suffit pour étaler la crêpe. Autre astuce. Jambon, œuf, fromage. On peut très bien en faire des samoussas, en faire des tapas apéritifs avec. Malgré plusieurs vies, livreur, cheminot, commercial, Patrick se souvient de sa grand-mère, crêpière, et d'un coup de foudre. J'ai 14 ans et demi, j'ai une mobilette qui est plus vieille que moi, et là je vois une dame qui tourne des galettes, et pour moi c'est magique. Moi je dis toujours, seul le sarrasin sauvera le genre humain. Et ils sont plusieurs centaines passés par ici, des élèves, des compagnons, comme il dit, partis ouvrir une crêperie ou un food truck en France ou à l'autre bout du monde. Hélène Roussel, France Bleu, Loire-Océan, vous avez retenu la formule, Nicolas. Seul le sarrasin sauvera le genre humain. Magnifique. Merci Florence Paracuelos. La météo, Céline Dacosta.